Marie Coco, mais dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 27 janvier. Il est 18h39. J'ouvre le vlog. Vous avez vu que j'ai allumé mon fondant qui était le fondant donc adorable aujourd'hui. Voilà. Ça parfume bien mon appartement. Voilà. Désolé, hein, je viens de manger un petit peu de bretzel au beurre de cacahuète. Et j'arrive, je m'en suis planté deux dans la gencive opérée. Je peux vous dire, c'est pas agréable. Ça fait même très mal. Voilà. Donc voilà. Donc après, attendez. Attendez, je vous remets en page blanche. Voilà. Donc ça va un peu mieux que hier, voilà, j'ai bien dormi cette nuit. Bon, j'ai eu des grosses phases de réveil encore, mais la question c'est pourquoi, parce que je ne me souviens pas avoir fait de cauchemar. Donc j'ai eu des grosses phases de réveil vers 7h du matin, voilà, j'ai dû me rendormir vers... En fait je me suis réveillée de 6h à 7h30. J'aurais presque pu entamer ma journée. Mais après, je me suis dit, ouais, non, faut pas déconner. Donc, j'ai réussi à me rendormir. Voilà. Donc là, ça va. Je suis assez reposée. Je suis quand même fatiguée encore un peu. Mais là, c'est le moral qui joue. Attendez. C'est mon moral qui joue. Hein, ça, c'est normal. J'avoue que la psychiatre et le psychologue m'ont un peu achevé. Voilà. Parce que reparler de ces soucis... C'est compliqué. Voilà, reparler ses soucis, c'est compliqué. Et il faut toujours, toujours parler, parler. Excusez-moi, j'ai logué. Et il faut toujours parler, parler, parler. Raconter ses soucis. Et j'avoue qu'après, en général, je suis vidée après les séances. Je suis vidée. Les séances du psychologue me vident émotionnellement, puisque je vide mon sac, tout simplement. Donc ça me vide émotionnellement. D'ailleurs, j'ai rendez-vous téléphonique avec lui le 1er février à 13h30. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai pas compris. Je devais recevoir mes brûleurs. Brûleurs qui n'ont pas été livrés. Et ce n'était pas Colissimo qui me livrait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'était un autre. Je crois que c'était DHL. Pourquoi, je ne sais pas. Et en fait... alors, ils disent qu'ils n'ont pas pu livrer. Et en fait, ils ne me proposent même pas une relivraison. Ils ne me proposent même pas une relivraison. C'est directement... votre colis sera déposé en point relais. Voilà. Merci, DHL. Je n'ai pas compris pourquoi ce n'est pas Colissimo qui m'a livré cette commande. Donc voilà. Donc ce qui fait que le colis sera déposé en point retrait, en point relais, que le 30. Même pas lundi. Que le 30. Donc ce qui fait que le 30 dans la journée, si je n'ai pas les... Si je n'ai pas les codes, il faudra que j'attende de toute façon le 31 pour aller chercher... mes paquets, quoi, mon paquet de brûleur. Et en fait, bah, tout simplement, ce n'est pas dans ma ville. Allô maman, allô papa, on va dans la ville d'à côté chercher mes brûleurs. Voilà. Donc, bah, merci. Voilà. Merci DHL, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais j'ai l'impression qu'ils font n'importe quoi, DHL, en ce moment... Je crois que chez moi, c'est une merde en livraison. Mais ils auraient pu livrer en point relais chez moi. Dans ma ville, il n'y a pas de point relais chez moi. Il faut qu'ils aillent le livrer dans la ville d'à côté. Et pas lundi. Lundi, on est ouvert, quoi. Lundi, c'est ouvert. Eh ben non. Voilà, lundi, c'est ouvert. Mais non, on va livrer que mardi. En gros, démerdez-vous. Parce que moi, mes parents partent le 1er jusqu'à lundi. Ils partent le 1er ou le 2, je ne sais plus. Je crois qu'ils partent le 1er. Donc, voilà, ils vont chercher ma nièce en Vendée.
Donc, comment dire? Un peu foutage de gueule, quoi. Un peu foutage de gueule. Oh, t'es à Melba. Et en plus, donc franchement, il faudrait que j'y aille le 31. Parce que s'ils reviennent le 5, ils reviennent, ma mère m'a dit on revient le 5, mais ils comptent pas avant le 5 au soir. Donc ça veut dire que mes parents ne sont libres que le 6. Et moi, le 6, je dois aller payer la dernière mensualité du veto. Là, je dois aller payer la dernière mensualité du veto. Et je dois aussi payer mes courses au Leclerc si j'y retourne. Ah bah si, j'ai mes briochettes à prendre. Donc je dois prendre mes briochettes au Leclerc. Voilà. Et comment dire? Je dois prendre mes briochettes au Leclerc. Bon, l'eau, j'en ai assez, ça devrait aller, mais je pourrais reprendre quelques bouteilles. Mais oui, il me faut mes briochettes au Leclerc, voilà. Et un peu d'eau. Alors vous allez dire, pourquoi t'achètes autant d'eau? Simplement, je vous ai déjà expliqué que l'eau en bouteille, alors déjà, ça me remplace les sodas, puisque c'est de l'eau aromatisée, mais elle est sans sucre. Donc, ça me remplace les boissons sucrées. Même si, si je bois de l'ice tea, si je bois de l'ice tea, bah, je prends du zéro. Mais en fait, les bouteilles, je les réutilise. Les bouteilles me servent pour mon café, pour ma bouteille d'eau la nuit. Et aussi pour la bouteille où il y a mon café dans le frigo, mon café noir que je mets dans le frigo. Voilà, donc j'ai trois bouteilles automatiquement d'entamées. Alors les bouteilles, je les change. La bouteille de café, je la change environ 2 fois semaine. Voilà, la bouteille d'eau, je la change une fois toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend. Et puis après, bah, la bouteille de café, je la change toutes les 3-4 utilisations. Donc voilà. Après, en général, bien sûr, je les rince avant de les réutiliser. Hein. Je les rince, je les nettoie, je mets un peu de produit vaisselle dedans. Voilà, on fait maracas. Voilà. Je ne laisse pas la bouteille dégueulasse et je remets pas directement dedans. Bah non, je rince avant. À chaque utilisation, je rince. Ce qui est normal. Donc voilà, donc là, j'ai mon café. Melba, t'as un ride sur la tête, une ride sur la tête. Donc voilà, je bois donc mon café. Donc voilà, ça va un peu mieux. Excusez-moi, vous avez une grosse tête de chien, encore une fois. J'ai dit le mot Melba, il a fallu que tu te ramènes. Je ne l'ai pas touché. Je ne lui ai pas fait de caresse. Et range ta langue. C'est chiant. Allez, non, mais là, t'es assis sur mes bretzels. Ah oui, le bruit t'a fait peur, bah oui. Donc, faut encore que je démoule les fondants. Je les ai pas démoulés, hein, c'est toujours sur ma table. Je n'ai rien foutu depuis jeudi. Je n'ai rien foutu. Moi, tout simplement, je n'ai totalement rien foutu. Donc, je vais démouler les fondants. Voilà, laver les moules. Voilà, ranger la table, laver les moules. Et puis mettre à sécher les moules. Voilà, mettre à sécher les moules. Ouais, non, non, c'est, j'ai rien foutu. Là, j'avoue que je suis en mode larve absolue. J'ai encore des fondants à faire, mais ce sera pas pour tout de suite. C'est du réassort, hein. C'est du réassort, donc ça va. Mais après, donc voilà. Là, je suis en mode vraiment crevée. Voilà. Alors, psychologiquement, c'est compliqué. Parce que la période est mauvaise. Il y a des hauts et des bas. Là, je suis plutôt dans le bas. Mais après, voilà, c'est chaque personne est différente. Chaque personne fait comme elle peut. Et moi, en ce moment, bah, je fais comme je peux, mais faire comme je peux dans ma période, dans ma mauvaise période, c'est très très compliqué. Donc voilà. Donc écoutez, je vais boire mon café et je vous dis à toutes. Il est 22h12. Je suis désolée, je ne vous ai pas repris tout à l'heure. J'ai un pote qui m'a appelé, on a raccroché là il y a une demi-heure. Après j'en ai profité, j'ai démoulé les fondants.
Je suis en train de seulement laver les moules. J'ai mis en ligne les fondants, donc les nouveaux fondants vanille des îles. Faut que je mette en ligne les réassorts du bubble gum. Voilà, j'en ai fait 13. Si je me trompe pas, 13 ou 14. Faut que je regarde mon papier, ce que j'ai écrit dessus. Et que je remette mes stocks à jour. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à faire. Donc ouais, j'ai passé, j'ai eu mon pote, il m'a appelé vers 19h30. Truc comme ça, puis voilà. Donc après, bah, j'avais dit que moi, je devais démouler les fondants et tout. On a raccroché il y a une demi-heure, donc on a passé presque, ouais, presque 2 heures au téléphone. Je suis... Ça va, donc j'ai pas encore pris ma douche, mais j'hésite à faire ma deuxième couleur sur ma tête. Parce que vous voyez que mes cheveux redeviennent châtains. Regardez bien. Mes cheveux redeviennent châtains. Alors vous le voyez pas, moi je le vois. Et en fait, j'ai envie de refaire ma couleur noire. Donc je vais pas me doucher tout de suite. De toute façon, je vais pas me coucher tout de suite. Puisque j'ai pas mal dormi en 2 jours. Voilà, j'ai eu 2 grosses nuits en 2 jours. Donc voilà, qu'est-ce que t'as toi? Voilà. Et puis donc pendant que j'étais au téléphone avec mon pote, je faisais gros câlin aux chiens. Voilà. Parce que oui, les chiens sont des antidépresseurs. Les animaux sont des antidépresseurs. Mes chiens le sont énormément. Alors par contre, ne me parlez pas médecine douce, hypnose, tout ça, ça ne fonctionne pas sur moi. J'ai déjà essayé l'hypnose, j'ai été morte de rire toute la séance. Il n'y a aucun lâcher prise. Je ne suis pas réceptive et je parle pas d'hypnose de spectacle, je parle d'hypnose, de la vraie hypnose. Je ne suis pas réceptive. Voilà, j'ai essayé la sophrologie, j'ai tout essayé et rien ne marche. Donc médecine douce, oubliez. Oubliez la médecine douce chez moi, ça ne fonctionne pas. Si je dors pas, je dors pas. Si je dors trop, je dors trop. Si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais non, me branchez pas à médecine douce, ça ne fonctionne pas sur moi. Ça ne fonctionne pas sur moi et ça ne fonctionnera jamais. Après, attendez, j'ai un peu chaud quand même. Après 18 ans de médicaments, la médecine douce n'est pas pour moi. Voilà. Donc quand on me dit t'as qu'à écouter des musiques relaxantes pour te coucher ou de l'ASMR. Alors l'ASMR, le truc que je déteste au plus haut point, les vidéos ASMR, ça me donne mal au crâne, ça me donne... Ça m'horripile au plus haut point. Alors déjà, je suis sourde. Hein. Déjà, je suis sourde. Alors en plus, les vidéos bruitages, je sais pas quoi. Quand je regarde des fois les vidéos, des fois sur Facebook, on a t'sais, vous savez, les Asiates là, qui bouffent comme 10. Et on les entend... Ah, ces trucs que je déteste. Non, j'aime pas ça. Alors les bruits d'ASMR avec les ongles ou je ne sais quoi, ou les déballages de colis avec une voix. Ah non, moi j'aime les vidéos où on entend du bruit, où on entend de la vie. Voilà. C'est pas chez moi que je pourrais faire de l'ASMR puisque j'ai 3 chiens. Là, vous entendez qu'il y a la machine à laver qui tourne. Je ne ferai pas de l'ASMR chez moi et moi je déteste ce genre de vidéos. Voilà. Donc... J'ai un souci, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, donc en tout cas, là, je ne suis pas encore lavée, voilà, je me doucherai plus tard. Voilà. Donc j'hésite à faire donc ma couleur. Donc là, j'ai quand même ouvrir la fenêtre là parce que j'ai un coup de chaud. J'ai un gros coup de chaud, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas encore mangé. Hein, j'ai pas encore mangé. Je ne sais même pas ce que je vais manger. Puisque j'ai plus rien dans mon frigo. Puisque j'ai plus rien de prêt dans mon frigo. Donc, est-ce que je me ferais pas des pâtes au ketchup ou trucs comme ça? Ouais, mais des pâtes au ketchup, bah, j'ai pas grand-chose. Des pâtes au beurre, mais j'ai même pas de gruyère, donc c'est nul. Est-ce que je me ferais pas ouais, des pâtes au ketchup ou je sais pas. Là, je sais pas, j'avoue. Je pourrais faire ma mixture, vous savez, mon. Excusez-moi, ça n'allait pas tomber. Mon genre de risotto, vous savez, riz et qui est bouché de. Quand, garniture de bouchée à la reine, c'est un genre de risotto. Je pourrais me faire ça, mais là, je sais que je vais en bouffer pendant une semaine. Voilà. Et c'est pas l'optique de bouffer ça pendant une semaine. J'ai peut-être à manger au congèle. J'ai regardé ce que j'ai au congèle, si je peux décongeler un petit truc.
Puis sinon, bah, j'ai encore mon jambon cru, hein. J'ai encore mon jambon cru, mais qu'est-ce que je vais manger avec? Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je peux manger avec mon jambon cru? Je peux me faire un sandwich. Mais un sandwich jambon cru tout seul, ça va être passionnant. Je verrai ce que je mangerai. De toute façon, je suis encore au café, quoi. Du moins, j'ai ressorti ma bouteille de café du frigo parce que quand j'étais au téléphone avec mon pote, je l'avais rangée. Donc voilà. Donc, et comme j'étais au téléphone avec mon pote, j'ai pas pensé à en boire. Donc voilà. Donc j'ai eu à peine de la sortir du frigo. Donc je vais boire mon café. Puis voilà. Et je vous dis à toutes. Il est 23h44. Comme vous voyez, je suis toujours là. J'étais en train de regarder les vidéos YouTube. Je finis la vidéo de Marie de la chaîne Mon Ange et après j'attaque la vidéo de Gwen LRT. Voilà. J'ai mis à décongeler, du moins, j'ai pas mis au micro-ondes, j'ai juste mis à décongeler. J'avais des pâtes carbo que j'avais congelées. Je sais pas ce que ça va donner décongelé. Tagliater le carbo que j'avais fait. Hein. Donc on verra bien ce que ça donne une fois réchauffé. Là pour l'instant, la barquette est décongèle depuis quoi la barquette? Le superware est décongèle depuis peut-être 45 minutes, peut-être un peu plus. Non, j'ai dû mettre vers 20. Attendez, mais c'est ma fille qui fout des coups de cul dans le téléphone. J'ai dû mettre vers ouais, 22h50. Ouais, donc il y a presque 1 heure que ça décongèle. Donc voilà, ouais, moi j'ai pas spécialement faim, je suis encore au café de toute façon. Donc voilà. Et en fait, je voulais revenir sur mon entreprise. Voilà, donc je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés. Mon site, c'est lesfondantsparfumésdenanou.com. Sur le site, vous retrouvez toutes mes créations. Les prix vont de 70 centimes à 7 euros pour le format le plus gros. Vous retrouvez aussi les diffuseurs pour voitures, donc ils sont près de 4 euros. Et les poudres parfumées pour aspirateur. Les poudres parfumées pour aspirateur, les 50 grammes sont à 4 euros. Les 100 grammes sont à 7 euros. Voilà. Et vous retrouvez aussi mon roman. C'est un roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains parce que j'aborde le sujet de l'homosexualité donc et de l'homophobie. Voilà. Mais j'aborde l'homophobie dans le côté le plus trash de la chose. Je n'ai rien inventé. Je me suis renseignée sur le sujet quand j'ai écrit ce roman il y a 18 ans. Quoi, il y a 18 ans, je l'ai commencé, je l'ai fini il y a 8 ans. Parce que j'ai mis 10 ans à l'écrire. Donc voilà, je me suis renseignée sur certaines choses. Donc je connais un peu le sujet. Et je sais que ces choses-là existent et se pratiquent, malheureusement. Donc voilà, donc après, ce n'est pas un sujet à mettre entre toutes les mains. Quoi, ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains, d'où le sujet homophobie assez trash. Voilà. Donc je préfère prévenir et ne pas faire de vente que plutôt faire une vente et que la personne soit choquée. Voilà. Je préfère ne pas faire de vente et ne choquer personne que faire une vente et que la personne soit choquée juste après. Voilà, je préfère éviter. Voilà, je ne veux pas de soucis avec les lecteurs. Voilà, c'est lecteurs avertis, tout simplement. De toute façon, le côté érotique lesbien, déjà, c'est public averti. Et après, le côté homophobie, bah, encore plus public averti. Donc, je rappelle que jusqu'au 6 février, vous avez actuellement les soldes. Voilà. Pour 5 euros d'achat minimum, vous avez 6% de réduction. Pour 25 euros d'achat minimum, vous avez 12% de réduction. Et pour 50 euros d'achat minimum, vous avez 23% de réduction. Avant, c'était 5, 10 et 20%. Là, je fais une deuxième démarque. Donc, c'est pour ça que je suis passée à 6, 12 et 23. Voilà, je fais une deuxième démarque. Donc, excusez-moi, hein. J'essaye de virer mon fil de ma dent. Parce qu'en fait, il me gêne. En fait, j'ai l'impression que j'ai un truc coincé, comme de la nourriture, alors que j'ai pas mangé. En fait, c'est juste le fil qui se coince entre la gencive et la joue. Et ça me dérange un peu. Tu sais, quand vous savez, quand vous avez un truc qui coince, vous êtes... Voilà, bah c'est pareil avec le fil. Donc voilà, peu importe, excusez-moi, je reviens sur mon opération de lundi. Voilà, donc en tout cas, bon, ça va mieux l'opération. Voilà, on change de sujet, l'opération va mieux. J'ai quelques petites gênes, mais je pense que c'est le fil, parce que je pense que quand le fil se coince entre la joue et la gencive, je pense que ça tire et c'est ça qui me crée la gêne. Donc il faut que le fil il se casse, vite, j'en ai marre.
Mais il partira pas tout de suite. Pour la dent de sagesse, il a mis 2 semaines à partir. Donc, 2 semaines en jouant avec tous les jours. Hein. Presque tous les jours, quand j'ai pu commencer à jouer avec. Là, je peux jouer avec, je n'ai pas mal. Donc, ouais, excusez-moi. Donc, voilà. Ouais, donc, en tout cas, bon, pour mon entreprise, voilà. Ouais, donc, vous avez les soldes jusqu'au 6 février. Voilà. Faut que je prépare la sélection pour mon partenariat avec Mélanie Luna. Donc, je vais aller préparer ça, là. Je vais aller préparer ça. Bien sûr, je n'ai pas encore pris ma douche parce que je ne sais toujours pas si je fais ma couleur ou non. Je pense que ça va se terminer, que je vais faire ma couleur. Voilà. Je pense que je vais faire ma couleur. Donc voilà. Il y a du taf. Et puis voilà. Donc, ouais, je vais faire ma couleur noire. Hein, pas du henné. Je vais vraiment faire ma couleur noire parce que là, vous voyez mes cheveux noirs. Mais en fait, il revient au châtain. Ouais, il revient au châtain. Donc, moi, j'aime pas ça. Vous, vous les voyez noirs, hein. Et moi, je la revois au châtain, donc ça m'énerve. Donc, est-ce que je fais ma couleur maintenant ou est-ce que j'attends? De toute façon, je vais pas me doucher tout de suite. J'ai encore le temps, hein. De toute façon, faut que je change le pyjama et tout. Donc, j'ai le temps. Ma machine à laver, c'est terminé, quoi. Ma machine de moule, c'est terminé. Les moules sont en train de sécher. Voilà. Et j'ai encore du réassort en fondant à faire. Donc j'attends. J'attends que les moules soient secs déjà. Et je pense que dans la semaine, je ferai mes fondants de ce qu'il me faut que je fasse en réassort. Donc faut que je fasse en réassort Monoï Passion. Monoï Passion. Bella, je crois. Je sais plus, j'ai mis les flacons quelque part. Par contre, je ne retrouve plus mon flacon de fruits de la passion. Je sais pas où je l'ai mis. Et pourtant, j'étais persuadée d'en avoir un neuf. Donc, si j'ai plus mon flacon fruits de la passion, bah, je sais pas comment je vais faire des fondants fruits de la passion. Voilà. Donc, faut que je retrouve mon flacon. Il doit être quelque part dans mes. Il doit être quelque part dans mes flacons. Après, j'en ai aussi là. J'ai du stock aussi rangé dans un carton. Et après, j'en ai à la place d'habitude. Donc voilà. Donc comme je vous dis, voilà, mon entreprise, mon but serait d'en vivre. Voilà, mon but serait de vivre de mon entreprise. Voilà. Donc le but serait de vivre de mon entreprise. Donc j'avoue que. Bah, j'avoue que ouais, ce serait mon but principal. Donc je me focalise à fond sur mon entreprise. Je suis désolée pour ceux qui, dans chaque vlog, je rabâche mon entreprise, mon roman, mes fondants, blablabla, blablabla. Je suis désolée, mais c'est mon outil de travail. C'est comme YouTube. YouTube est aussi mon outil de travail. Je déclare ce que je gagne YouTube à la CAF. Je déclare ce que je gagne à mon entreprise à l'URSSAF et à la CAF. Donc je risque de devoir payer des impôts un jour ou l'autre. Voilà. Mais après, voilà, c'est juste, comment dire? Voilà, mon but serait de vivre de mon entreprise, de réaliser mon rêve. Donc mon rêve, c'est de vivre de mon entreprise. Donc mon rêve serait d'avoir 10-15 commandes par jour. Ce serait ce rêve, hein, 10-15 commandes par jour. Ou alors 3-4 grosses commandes. Ce serait mon rêve d'avoir plein de commandes comme ça, d'aller, je sais pas, de mettre dans ma boîte aux lettres 4-5 paquets tous les jours, d'aller au Mondial Relais tous les jours. Excusez-moi, je loquais. Ce serait mon rêve de vivre de ça, de vivre de ma passion. Parce que ma passion, c'est les bougies. D'ailleurs, je vais revenir sur la bougie Action que j'ai achetée. Alors, elle se consumait très mal. Elle faisait une mini piscine. Donc, je l'ai enroulée d'aluminium. J'ai fait un petit chapeau en alu. Donc, la piscine s'est remise. Donc, la bougie s'est remise bien. Voilà. Sinon, pour une bougie Action, pour mon 36 mètres carrés, elle sentait pas beaucoup, mais elle sentait.
Alors moi, je suis habituée à mes fondants ou les bougies qui dépotent, style Yankee Candle et compagnie. Une bougie action, les seules bougies action que je me souviens qui sentaient super bon, c'était les mini à la myrtille, les mini pots là, comme ceux-là que j'ai là, comme celui que je vous ai montré dans le haul action, imitation mini Yankee Candle. Et franchement, celle à la myrtille, c'était une tuerie. Ils la font plus, ils ne la font plus. Je suis dégoûtée. Donc voilà. Donc je trouve que elle sentait légèrement, mais elle sentait un petit peu. Voilà. Puis des fois, t'as pas besoin d'une odeur qui tabasse non plus. Voilà. Donc bon, je trouve qu'elle fait le travail, hein, parce qu'on lui demande de sentir un peu. J'ai pas demandé une bougie qui dépote. Hein. De toute façon, je sais très bien que chez Action, trouver une bougie qui dépote, tout le monde dit clairement que les bougies d'Action ne sentent pas, à part les Airwick et tout ça, mais c'est Airwick, c'est pas Action. Là, c'est la marque Action, donc c'est pas la même chose. Et quand tu vois que le pot comme ça, il coûte 4 balles, tu vas pas t'étonner, quoi, que ça sente pas des 1000 et des 100. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Puis voilà, donc après, bon, je pense que je ferai la couleur plus tard. Je vais aller me doucher parce que j'ai pas l'impression, mais je pue totalement. Je me suis douchée hier, hein, mais je pue, je sais pas ce qui se passe, j'ai un coup de chaud. Donc je vais aller me doucher. Je ferai ma couleur plus tard. Voilà, je ferai ma couleur plus tard. De toute façon, ma couleur n'est pas perdue. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Cerise Noire. Super! Il est 1h26. J'ai mangé un petit peu. J'ai un petit peu mangé mon assiette, mais j'en avais pas fait beaucoup, puisque j'avais bu de l'eau juste avant. Donc j'ai dit, voilà. Pour l'instant, j'ai pas très faim. Pour l'instant, je finis avec une Arizona. C'est la Green Tea au nez et peach. Et peach, hein. Donc, thé vert, miel et pêche. Voilà. Je viens de préparer le partenariat avec Mélanie Luna. Voilà. Donc, ça partira lundi. J'ai aussi pris ma douche. J'ai lavé mes cheveux. Alors, non, je n'ai pas fait la couleur au final. Voilà, j'ai pas fait la couleur. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait la couleur parce que j'avais la flemme. De toute façon, il fallait que je me lave, je puais. J'ai changé de pige. Ouais, j'ai changé de pyjama. Désolée, hein. Melba est en train de faire n'importe quoi avec la couette. Donc voilà, donc moi, là, j'ai fait le tirage au sort du fondant de demain. Donc ça sera le fondant cerise noire. Voilà. Désolée. Melba, s'il te plaît, gratte pas. Ça sera le fondant cerise noire. Voilà, donc il est préparé. Faut que je fasse les stocks à jour des fondants que j'ai démoulés tout à l'heure. Il faut que je fasse mes stocks. J'ai pas regardé ce qui fait que je refasse, mais si je ne me trompe pas, bah, mon œil passion, il faut que je le refasse, c'est sûr. Mon œil aussi. J'avais dit autre chose, mais je sais plus. Bon, voilà. Donc en tout cas, je vais faire mes stocks. Puis voilà. Donc là, il y a Audrey qui me parle. Elle dormait, mais sa chienne l'a réveillée pour sortir. Je sais pas, te plains pas. Au moins, elle a pas fait dans ton appart. Donc voilà. Désolée, j'ai encore le fil qui me gêne. Ah, j'ai encore le fil qui me gêne. Puis j'ai l'impression que j'ai du lardon. Coincé dans les dents, mais non. J'ai dû mettre du stick-lève parce que j'ai la lèvre défoncée. Là, regardez bien. Là. J'ai une boule. Quoi, ça fait comme une boule, mais en fait. C'est pas une boule, c'est une sécheresse. Quoique si, ça fait comme une boule. J'espère que je fais pas un bouton de fièvre, ça m'arrangerait. Ce serait mon premier de ma vie. Ce serait mon premier bouton de fièvre de ma vie. Si je pouvais éviter d'en faire, ça m'arrangerait. Je suis désolée hein, pour le gros plan, mais bon, j'espère que je ne fais pas un bouton de fièvre.
suite au prochain épisode. Je vais m'attaquer au montage du vlog. Voilà, je vais m'attaquer au montage du vlog. Et puis voilà, je vais faire ma petite vie. 1h30 du matin, je ne suis pas fatiguée. La fatigue est passée. En même temps, quand tu tapes 2 jours de quasiment 16 heures de sommeil, même plus de 16 heures de sommeil, bah, t'es requinqué. Hein. Personnellement, t'es requinqué. Donc voilà. Donc là, j'avoue, je vais donc faire mes stocks et je vous dis à toutes. Il est 2h19. J'ai parlé vite fait avec Audrey, elle est partie au gros dodo. Hein, ma Josiane Ben Guigui? Tu es partie au gros dodo, tu m'as abandonnée pour cette nuit. Je te retiens. Je te retiens, tu m'as abandonnée. Donc voilà, donc moi je ne dors pas. Je pense que je vais continuer The Original. Voilà, je pense que je vais continuer. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais sûrement me perdre sur Facebook, sur Insta. J'ai fini mes vidéos YouTube. Faut encore que je monte le vlog et que je le publie pour 8 heures. Quoi, que je monte le vlog. J'ai commencé à le monter, je ne l'ai pas terminé. Par contre, ce truc-là, ça me fait super mal. J'ai bien l'impression que c'est un début de bouton de fièvre. Oh non, je suis pas contente là. Si je pouvais éviter les boutons de fièvre, ça m'arrangerait. Ou alors, c'est juste que j'ai dû peut-être mettre un coup. C'est comme une coupure que j'ai. Quand je sens comme une coupure quand je passe ma langue. Quand je passe mon doigt, ça me fait pas grand-chose. Après, ça fait pas spécialement mal, mais c'est très sec. Il faut que je réhydrate. J'en ai mis tout à l'heure, on va en mettre une couche. Voilà, j'ai remis une couche. J'ai fait mon soin des ongles. Je vous ai dit que j'avais mangé un petit peu tout à l'heure. J'ai fini mon Arizona. Demain, j'ai mon gros ménage à faire. Moi, demain, j'ai mon gros ménage à faire. Donc, aspirateur, serpillière. La cage de Perséphone aussi. Donc, voilà, ouais, j'ai du taf. Hein. J'ai du taf. Donc, écoutez, là, je sais pas vraiment ce que je vais faire cette nuit. Je suis plus fatiguée, donc je vais pas dormir parce que je ne suis pas fatiguée. Mais comme je vous ai dit, 2 jours à presque 18 heures, 16-18 heures de sommeil, c'est un peu normal que je vais pas dormir maintenant. Voilà. J'ai fait mes stocks. Voilà, mes stocks sont à jour sur le site et sur mon PC. Voilà. Les stocks sont à jour. Donc voilà. Et puis voilà, donc. Donc voilà, les stocks sont à jour. Donc à la rigueur limite, je peux faire de l'étiquetage. Je peux faire un peu d'étiquetage. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un petit peu d'étiquetage. Et puis. Puis voilà, donc. Je vais prendre des boîtes de fondant qu'il n'y a pas d'étiquette. Je vais prendre les étiquettes. Et puis voilà, je pense que je vais faire un petit peu de boulot cette nuit. Limite, je ne suis pas obligée de me mettre les originales que je ne connais pas. Comme ça, excuse-moi, je vais mettre un truc que je peux ne pas suivre, genre Buffy. Ou un film, genre Le Chocolat, donc avec Juliette Binoche et Johnny Depp. Ou alors Fucking Homo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. C'était mon film quotidien à la base. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Je peux mettre les Twilight, je peux mettre Harry Potter, je peux mettre les Friends. Oh, je peux en mettre des choses. Mais on va éviter de mettre un truc que je ne connais pas. Il faut quand même que je suive la série. Donc, si je suis occupée, je ne pourrais pas suivre la série entièrement. Donc voilà. Bon, écoutez. Je vais faire de l'emballage, donc je vais clôturer le vlog ici, le monter, le publier. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer toutes les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!